autres là, et ça fait le droit. Le fait que ce soit laissé prendre la main. Ne doit pas nous empêcher de pouvoir utiliser ça. Si vous mettez la force, bien sûr, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais même saisi, vous ne pouvez pas y arriver. On fait lever le sabre tout droit devant soi, mais au même moment, au lieu de déplacer le pied droit devant, on va derrière lui. Là, mais le mouvement des pieds, lui, est différent. Donc c'est vraiment un mouvement de sabre, il ne faut pas penser à autre chose. Si vous pensez à mettre de la force, c'est comme si vous vouliez soulever le sabre, comme ceci. Non, ça suffit. Il n'y a pas besoin de force. Et nous, on s'entraîne à comment bouger en mettant le moins de force possible, en mettant plus fort. Là, vous allez simplement prendre des mauvaises habitudes. Et vous allez devenir de plus en plus mauvais. Bien sûr, il a décomposé en 1, 2, 3. Mais en fait, il y a deux pas. Et ça devient en un seul temps. Et tous les mouvements d'aïkido, c'est comme ça au départ. On décompose, il y a 2, 3, 4 étapes. Puis, on arrive à 2 et ensuite à 1. Donc, au fur et à mesure que vous montez en grade, il faut évoluer dans votre pratique, sinon vous ne progressez pas. Donc, la même chose, on arrive à réduire. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de réduire le mawa, mais c'est pas ça. Donc il y a toujours deux pas, mais on a l'impression qu'il n'y en a qu'un. Mais c'est pas ça. Donc en fait, il faut réduire petit à petit ces mouvements, de faire bouger ses muscles plus rapidement. Si vous le faites avec les muscles, vous atteindrez une limite. Et l'idée, c'est d'être encore plus rapide que la lumière. Donc il faut comprendre l'image qu'il y a derrière cette sensation. Avoir ça en tête et le viser pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir progresser dans votre pratique. Sinon, c'est pas intéressant, c'est pas amusant. Et donc, comme ça devient intéressant, et on peut pratiquer même en prenant de l'âge. Puisqu'on réduit les mouvements.
Vous voulez aller rapidement utiliser les muscles, donc vous, ça vous fait utiliser de plus en plus d'énergie. Non, c'est l'inverse. Donc gardez bien ça en tête. Donc il faut utiliser les pieds, c'est important. Donc depuis hier, nous entraînons à déplacer nos pieds le plus légèrement possible. Donc si vous appuyez fermement sur le sol et que vous, d'une manière pesante, vous ne pouvez plus bouger. Et son intention, c'est de pousser. Alors pour pousser, il faut qu'il ait un appui ferme. Alors il appuie tellement sur son pied qu'il se bloque. Quand on pousse, vous voyez, on met de la force dans le pied.
Donc, il appuie fermement avec son pied. Pourquoi? Parce que, sans attention de pousser. Il ne s'agit pas de pousser, il s'agit d'entrer. Donc, si on n'a pas monté, si on peut monter directement, si on n'a pas monté, on peut tourner. Sinon, on peut aller vers le bas, ou comme ceci. Hier, il y a quelqu'un qui a appelé sa manière d'être facilité était bizarre. Il ne prenait pas les bonnes directions. Lorsque vous marchez, il est important de marcher dans une tension ferme. Donc hier on a dit que lorsque on se levait, il fallait se lever bien vertical. Et même chose. Donc il faut marcher de manière à avoir aucune torture. Il faut pouvoir bouger à n'importe quel moment, si on est à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on avance un pied après l'autre. Mais c'est pas ça. Et c'est la même chose lorsque l'on recule. Donc faites bien attention à cela. Donc lorsqu'on a un bouquin, c'est il y a le bouquin qui est là, c'est ce qui permet de ressentir cela au mieux. Mais en aïkido, on n'utilise pas beaucoup. Donc on n'en a pas l'occasion. Donc il faut prendre la main et...